travaille à ADV, à la finance, chez Scénario, et je suis là depuis un an. Alors mon job en trois mots, c'est rigueur, adaptabilité et sens du service. Rigueur parce que avec la facturation, on est soumis à la réglementation française, on doit respecter des règles. Adaptabilité parce que on doit s'adapter à différents types de clients, que ce soit des régies, la corpo ou le retail, et des plus petits et des plus gros clients. Et surtout parce que depuis quelques mois, EasyMovie a rejoint l'aventure et du coup, on doit s'adapter à un nouveau produit. Et sens du service parce que on essaye de fournir une super expérience aux clients du début à la fin de leur collaboration, même quand ils décident de quitter Scénario. Ce qui me fait lever le matin, c'est que j'adore mon travail. Je sais que ma journée ressemblera jamais à celle d'hier. Chez Scénario, c'est top parce qu'on s'ennuie pas. Ma journée de travail, c'est principalement de la facturation, les renouvellements et la mise en place des abonnements, la gestion des emails et des échanges avec les clients, mais aussi répondre aux équipes via Slack parce que la BU Finance échange avec beaucoup d'autres BU chez Scénario et ça, c'est top. Scénario pour l'ambiance, la qualité de vie au travail et la flexibilité que nous offre l'entreprise. La team finance pour l'ambiance aussi, la cohésion et le fait qu'on s'entend toutes très bien. Toutes, parce que pour l'instant, on n'est que des filles. Si tu n'aimes pas t'ennuyer au travail, que tu sais t'adapter à un quotidien qui va très vite, si tu aimes apprendre et partager, on est l'équipe qu'il te faut. Alors le premier sera l'emoji fusée, parce que chez Scénario, on est sans cesse en recherche de performance pour aller plus loin et améliorer nos process, et je trouve que c'est un emoji qui nous représente bien. Deuxième emoji, c'est le sac d'argent, parce que cash is life à la finance. Et enfin, le dernier emoji, c'est l'emoji soleil, que je mets un petit peu partout, parce que je suis basée à l'office de Toulouse. Je dirais que 99% du temps, je suis de bonne humeur au bureau et j'adore mettre du soleil dans ma vie déjà. Le défi pour 2023, c'est d'améliorer ma confiance en moi et mon public speaking, et je pense que cette vidéo est un super exercice. Pour moi, la culture à Scénario, c'est l'entraide, l'esprit d'équipe et le fun. Quand j'étais petite, je voulais gagner un Oscar, et c'est chose faite, parce qu'au dernier séminaire, avec mon équipe Azure, on a remporté le prix du meilleur court-métrage grâce à mes talents d'actrice. Savoir ce que tu peux faire avec le tornado 2006.